La Bourse des marchandises s'inquiète de la hausse du prix du charbon qui a grimpé rapidement ces derniers jours. Des données récentes révèlent que l'indice boursier du charbon vapeur de la mer Bohai a augmenté pendant 17 semaines d'affilée pour atteindre près de 600 yuan la tonne. Entre-temps, le prix de la production du fer a atteint un sommet en 3 ans, attirant l'intérêt des investisseurs pour le titre du minerai de fer. Pour limiter une fluctuation irrégulière du marché, la bourse des marchandises de Zhengzhou a rehaussé 3 fois en octobre les frais de transaction sur le charbon vapeur, les faisant passer de 4 à 24 yuan par opération. Mais cette mesure semble n'avoir eu que peu d'effet alors que les prix continuent d'augmenter.